voyez ce qu'elle a fait. Alors on attend sa note alors que Isbaza se prépare. La meilleure des Roumaines au sol. 15-525. 15-525, et bien voilà, c'est elle la première à franchir la barre des 15, parce que même si c'est la note provisoire, elle devrait rester largement au-dessus de 15. 15-525 pour l'instant, elle est donc première Beth Treadle, et elle surpasse donc Tamirian, la jeune Roumaine. On attend la confirmation officielle de cette note, que nous avons un petit peu avant vous, grâce à nos écrans de contrôle. Sa note de départ, 16-40, c'est une note élevée, et derrière, les notes d'exécution sont vraiment excellentes. Oui, oui, les juges la peuvent approuver de la tête. C'est officiel, 15-525. Et le public est très content. Et elle prend la tête avec une énorme avance. Plus de 5 dixièmes de point, 1 demi-point d'avance. Elle n'en croit pas ses yeux, Beth Treadle. La dernière gymnaste que nous allons suivre aujourd'hui, c'est Sandra Isbaza, la Roumaine. Elle peut aller chercher le titre au sol. C'est elle qui avait meilleur total en quali. C'est parti avec on une a belle Pauline Carpe. Très belle première diagonale. Très belle. Musique très entraînante. Oui. Suivi d'un Pauline groupé. Même diagonale, corps groupé. Un triple pivot. Parfaitement installé. Exactement. Suivi d'une ronde à flip, 2,5, vrille avant. Très belle diagonale qui leur apporte pas mal. Souriante, très belle gymnaste. Musique entraînante. Incite le public à l'applaudir et à l'encourager pour la suite de son mouvement. On a pu voir une très belle diagonale en vrille et demi avant. Suivi de sa série génie. Très belle chorégraphie. Ouais, dynamique. La dernière diagonale. Triple vrille. Et je pense que le podium. Oui, le podium est pour elle, c'est une certitude. C'est un peu dommage, évidemment, pour Marine Petit, qui pour l'instant est sur le podium provisoire, mais je pense qu'Isbaza, sans problème, va passer devant Marine. Alors la question maintenant est de savoir si elle va passer devant Beth Treadle. Va-t-elle être sacrée championne d'Europe, Sandra Isbaza? Oui, moi je le pense. Elle l'avait été déjà il y a deux ans à Volos. Sixième mondiale à Aarhus en 2006. Championne d'Europe également à Amsterdam l'année dernière. Alors on revoit Sandra Isbaza. 15-525, c'est la note à battre. Sa note de départ est de 16-50. 16-50. C'est très bien. Plus haut que Tweedle, je crois. Ouais. Plus haut. Les notes d'exécution sont assez proches, même un petit peu en dessous de temps en temps. Là, je suis en train de les voir s'afficher petit à petit, les notes d'exécution. Il n'y a pas trop de pénalités. Ça va être quand même serré, hein. Elle ne va pas gagner. Eh bien, 15-775, elle est devant. Et c'est sans doute dans quelques instants Isbaza qui va être sacrée championne d'Europe. On attend la confirmation officielle. Mais logiquement, elle a 2 dixièmes de mieux que Beth Treadle. Voilà, c'est officiel. Et c'est bien Sandra Isbaza qui est sacrée championne d'Europe au sol devant Beth Treadle. Petite déception donc pour Marine Petit qui finit quatrième de cette finale, ce qui reste quand même une très très belle performance. Et c'est donc un nouveau titre pour la Roumanie. Sandra Isbaza avait déjà été sacrée avec l'équipe de Roumanie. Elle s'impose donc une nouvelle fois. C'est bien elle, la meilleure européenne au sol. Elle l'avait déjà prouvé à de nombreuses reprises. Très très belle victoire donc pour la Roumanie qui s'impose. Isbaza devant Beth Treadle et une autre Roumaine, Adriana Anna Maria Tamirian. Marine Petit, quatrième. Deux places de quatrième donc pour la France aujourd'hui lors de ces finales. Par appareil, Pauline Morel également, quatrième de la poudre, Cassie Véricelle, sans doute déçue de